Alors là, ça se précise. Là, ça se précise. Oui, très bien pour cette nuit. À quoi vous le voyez? Alors déjà, elle cirait déjà pas mal depuis 2-3 jours. Et là, le lait perle pas mal. Ah mince, elle a décroché son aimant. Ah, voilà, c'est bon. Ah, là, j'y croyais, surtout elle. Ah, ma poupette. Bon, c'est fichu, c'est pas pour tout de suite. Des fois, ça se détache un peu comme ça, on sait pas trop pourquoi. Quand c'est un peu tendu ou des choses comme ça, il s'enlève un peu. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu la panique, parce que surtout qu'elle est très prête, elle. En plus, elle reste en position. Non, c'est les os. Bon, Michel va arriver. Non. Ah, on va voir le poulinage. C'est un poulinage qui s'est déroulé sans aucun problème ce soir? Ouais, sans problème. C'est extra. Quand c'est des poulinages comme ça, ça se passe bien. Mais moi j'attends que la jument ait des livres. Le poulain se lève et voilà, on va faire le test de colostrum quand même. Savoir comment il est, le lait, et après. Quand il va être ça va tout aller, moi je vais aller me coucher et la veilleuse elle va rester là pour faire son travail. Ça va, hein. 20 minutes, le poulain il se met debout tout seul. Hein. Moi j'adore, hein. C'est quelque chose qui me manquait. En fait, il y a presque 30 ans que je suis à la maison, que je suis assistante maternelle, et puis là j'ai voulu reprendre ça, et c'est vrai que moi je me trouve super bien au milieu des chevaux. Et puis d'autant plus les poulinages, c'est merveilleux. Allez, ce coup-ci je t'aide. Et voilà, ça y est. Ah bah dis-toi. Il est 6h, je suis venue faire tête, enfin surveiller parce qu'il tète super bien celui-là, surveiller qu'il tétait bien tous les demi-heures, trois quarts d'heure quoi à peu près, et qu'elle ne fasse pas de colique non plus. Et ça s'est super bien passé parce qu'il s'est débrouillé tout seul, comme un chef. Bon, le dernier né. Alors la fille, t'avais froid mon bébé? Ah, enfin un mâle. Après toutes les filles qu'on a eues. Bon, dans les bons pédigrés, ça n'a pas grande importance, mais comme on vient d'avoir, au Loara, on vient d'avoir 18 pouliches. Et pour 25 poulinages, on avait déjà 18 pouliches, donc bon, on est content d'avoir un peu des garçons. Qu'est-ce qu'on regarde sur un tout petit poulain? Ben, on regarde déjà, bon, la taille, l'aspect général,
la tête, parce qu'on aime bien les jolies têtes. Et puis, bon, assez vite, on va regarder les aplombs, s'il n'a pas les genoux à l'envers, en fait, les genoux creux, et qu'il est à peu près d'aplomb. Enfin, c'est des bébés, donc il faut attendre quand même 2 ou 3 jours pour bien voir les aplombs. Mais c'est vrai que celui-là, il est vraiment bien, parce qu'il a une bonne taille, parce que c'est une médaine, c'est son premier poulain, donc c'est une jeune jument. Et le poulain, il a de l'os. Il est assez grand, il est chic. Il est toujours un petit peu anxieux de voir ce qu'on va avoir. Et là, on est content. Hein. Franchement, il est beau. Une belle gueule. Futur champion. On dit toujours ça, c'est un futur champion. Elle a un beau poulain et un beau chalat. Alors qu'on avait peur de ne pas en avoir. C'est top. Je suis très contente. On n'est jamais blasé avec les poulains qui naissent. Chaque fois, on est toujours l'excitation de savoir ce qu'on va avoir. Et chaque fois, c'est à nouveau. C'est un peu un émerveillement, quoi. C'est un moment aussi pour apprendre à les manipuler un peu, à marcher avec l'homme. Les premières sorties, c'est des fois du rodéo, mais après, ils apprennent vite. On a des petits paddocks individuels où on les sort, ça les fait défouler, ça les fait découvrir le monde extérieur. Ils ont de l'énergie déjà à cet âge-là. Il va pas tarder, je pense, à rencontrer des petits copains et sortir avec d'autres futés. Alors, Mojo Rising va partir cet après-midi en Irlande, puisque mes parents ont choisi les talons None and Never pour la jument cette année, parce qu'ils ont pensé que c'était un bon croisement. Ça veut dire qu'il faut l'envoyer en Irlande. Donc comment ça se passe? On a un camion STH qui va venir chercher la jument cet après-midi. Elle va voyager en box avec son poulain. On installe une litière de copeaux, comme ça le poulain peut se coucher pendant le transport, puisque c'est quand même un voyage qui va durer 20 heures. Donc ils vont prendre le bateau à Caen ce soir. Les gars de STH ont vraiment l'habitude, ils s'en occupent très bien. Donc c'est pas un problème quand on a les poulains voyagent à peu près à 3 semaines, un mois, s'ils sont assez forts, sinon on les envoie pas. Et en général, à cet âge-là, ils sont assez forts pour supporter le voyage. Ils boivent le lait de leur mère et ça se passe très bien. Bonjour Vanessa. Tu es là? Tu vas bien? Ouais, ça va, super. Au soleil pour vous aujourd'hui. Ouais, nous aussi, il fait super beau, heureusement. Vanessa, je voulais des nouvelles de notre petite star de Mojo Rising. Ok, comment il va? Le poulain va très bien, je vais tourner la caméra et puis vous le montrer. Ouais. Il m'a l'air très correct dans ses aplombs. Oui, oui, il est très bien. Oh, il est magnifique. Non, il est très, très bien dans ses aplombs, dans ses genoux, il a un bon jarret. Ouais. Il bouge bien. Il a un beau travers, vraiment. Mmh. Et pour un premier foal, c'est un très bel effort quand même. Superbe, superbe. Faim, toi. C'est toujours aussi beau, mon pépère? C'est toujours aussi beau depuis le temps qu'on t'a pas vu. Ici, on est à l'annexe de Beauménil et cette année, on a décidé de faire la quarantaine avec les juments et
et suitées qui reviennent de l'étranger, essentiellement d'Irlande. Il est très mignon, très câlin. Il vient toujours chercher le contact avec l'homme. Il est vraiment magnifique et c'est amusant parce que souvent les poulains, ils ont des périodes où ils sont bien, après ça ils sont un peu moins bien. Celui-là, franchement, il est toujours bien. Il est né beau et bon, il est parti en Irlande, on attendait de le voir. Il est revenu, il est magnifique et il progresse, il est toujours bien. Il est bien dans son corps et il est bien dans sa tête parce que c'est un cheval, un poulain qui est familier, qui est facile, qui a peur de rien et vraiment, il a tout pour lui pour l'instant. C'est une période un peu de préadolescence, mais vraiment, vraiment le tout début parce qu'ils grandissent, mais ils sont encore avec leur mère. Et puis il y a un passage où ils deviennent presque adultes au sevrage. Le sevrage intervient milieu fin d'été. Et après, l'automne, les chevaux commencent à rentrer, enfin les foals sevrés commencent à rentrer dans les box et à avoir vraiment un traitement plus individualisé. Ah non. Non, mais ça va le faire quand même. Et à part Saint-Dessin, c'est la baie de Tamar. Ce poulain, vraisemblablement, viendra ici l'année prochaine. On espère au mois d'août, qui sont les ventes, les meilleures ventes de yearling en France. Mais il a tout pour venir là, dans les premiers jours des ventes. Donc, il y a encore un grand chemin à faire, mais on y compte beaucoup.